La France est un pays qui s'est développé économiquement par un fort apport migratoire. C'est la grande différence entre la France et d'autres pays européens depuis en gros la moitié du 19e siècle jusque une bonne partie du 20e siècle, jusqu'à la fin de l'arrêt officiel de l'immigration, même si cette immigration économique a en partie continué sur le territoire français. Alors, on travaillait avec les gars des chantiers. C'était le travail manuel, quoi. J'avais pas de métier qui correspond à la navale ou au travail de la navale. Mais après, j'avais fait ma demande pour rentrer au chantier. Alors pour entrer au chantier, il a fallu un métier. Donc, on m'a proposé soudeur. Alors, j'ai accepté un stage de soudeur de 4 mois au chantier même. Et puis, au cours du stage, ça m'a pas tellement plu. On m'a proposé machiniste soudeur. Bon, j'ai dit, on va voir. Alors, j'ai accepté machiniste soudeur de refaire un autre stage de machine et soudeur. Et puis j'y restais. Malgré ma récente présence en territoire français, j'ai trouvé un travail, ça s'est bien passé. Et puis je suis resté dans la même boîte 15 ans, fidèle à mon patron, tiens. Alors, en ce moment-là, je vous dis, on a souffert dans le travail, puisque il faut travailler toute la semaine, même le dimanche, on travaille. Et alors, en plus, il n'y a pas de transport, il faut aller en vélo, il faut. Et tout. Alors, à la fin, 78, ça a été beaucoup mieux. Alors on a eu du transport avec les patrons et tout ça quand même. On a vu moins de misère qu'avant. Les conditions de vie, c'est difficile quand même. C'est pas le paradis. Hein. La question de travail, c'est difficile, c'est vrai. Parce que le forage, c'est pas. De toute façon, il y avait des gens qui sont morts dans les puits, hein, dans le forage. Hein. Ils sont tombés, puis ils n'ont jamais ressorti. Et puis bon, après, quand j'ai monté quand je suis revenu sur Saint-Nazaire, je travaillais pour France Télécom, c'était un peu mieux, je suis monté. J'ai pas étudié, j'ai pas fait des études, mais suivant les travaux que je fais, je suis monté chef de chantier. Et j'ai terminé ma carrière chef de chantier ici à Saint-Nazaire. Je pense qu'il faut. On ne refait pas sa vie, on la continue. On ne peut pas aussi oublier son histoire. Donc, je ne peux être dans ce pays qu'avec mon vécu, en restant dans les règles un peu de ce qu'on appelle la République, m'intégrer comme on l'entend généralement, c'est-à-dire singer qui que ce soit, ça n'a jamais été mon objectif, ni, ça ne flotte pas l'esprit, si vous voulez. Mais je pense que vivre ici, effectivement, en bonne intelligence avec mes condisciples, les gens que je trouve sur place, ça devait être le bon sens même de quelqu'un qui arrive quelque part. Je serais en Alaska ou en Laponie au Groenland, je pense que je m'y adapterais. Je ferais comme les lapons, comme ne fût-ce que pour me protéger du froid. Vous voyez, ce mot intégration a tout le temps été agité, comme si c'était forcément il faut ressembler à tout le monde. Vous voyez, je suis noir. Hein, quelques décennies après, je suis resté noir. Hein. Et voilà, je milite en association, je suis ni plus ni moins que quelqu'un qui est un Azérien. Tiens. Il y a une figure spécifique de l'immigré qui est celle de l'intellectuel ou du sportif. Qui ne correspond pas à l'image globale et à la situation globale de l'immigré en France.
j'ai travaillé pendant une année, et puis ensuite, j'ai candidaté au concours d'enseignant-chercheur, de maître de conférence, sur deux endroits, le Belfort et Saint-Nazaire. Et j'avais le choix, donc j'ai choisi de venir à Saint-Nazaire. Et donc là, c'est la procédure de concours qui passe par la présentation d'un dossier, un classement, puis ensuite une audition. Et j'ai été classé premier, c'est donc un poste, on prend le premier. Je suis arrivé en France, en effet, j'avais 19 ans, en tant que militaire marin à Hourtin. J'ai commencé ma carrière de boxeur, si vous voulez, en tant qu'amateur. Et puis, je fus remarqué par la Fédération française de boxe. Et je fus amateur international. Ça m'a permis de faire le championnat du monde militaire à Beyrouth, où je fus vainqueur. Ça m'a fait faire les Jeux olympiques à Rome, où j'étais battu par l'Italien Bossi en quart de finale. De là, je suis revenu à Paris. Et en contact avec M. Fogel, M. Vianney, qui était entraîneur, qui avait des amis qui étaient à Saint-Nazaire, en l'occurrence M. Fogel, qui est organisateur d'ici, qui a beaucoup organisé avec Charles Collin, Juan Moello. Et il fallait que, à la retraite de Charles Collin, il leur fallait une tête d'affiche. Et cette tête d'affiche, ce fut moi. Il existe peu de données sur l'immigration à Saint-Nazaire. Peu d'études, peu de documents disponibles. Mais, à contrario, nous avons, à côté de cela, des récits d'immigrés qui indiquent de manière assez précise les conditions de vie qui étaient les leurs lorsqu'ils sont arrivés dans la ville de Saint-Nazaire. Ça a été le cas notamment des Italiens qui sont arrivés au début du XXe siècle. Ils étaient logés parfois dans des conditions assez précaires, avec une activité professionnelle qui était parfois extrêmement risquée, mais cela ne les a pas empêchés de s'enraciner et de pouvoir assurer des conditions de vie qui vont permettre à leurs enfants de progresser, eux, dans l'échelle sociale. Je suis né le 17 février 1924 à Palerme, en Italie. Mon père s'appelait Umberto Barbaro, ma maman Francesca Nuccio. Nous sommes arrivés en France, j'avais 11 mois, parce que mon père était antifasciste, il était recherché par les fascistes, si bien qu'il a été obligé de s'expatrier. Et nous sommes arrivés donc dans les années 1925 à Saint-Nazaire. Mon père a eu un contrat de 6 mois avant de pouvoir faire venir toute la famille. Et ma foi, nous sommes restés. Nous avons eu deux frères, j'ai eu deux frères qui sont nés en France, donc ils étaient français par loi. Et puis nous avons toujours vécu à Saint-Nazaire. J'ai eu donc ma sœur qui était plus vieille que moi de 2 ans. Moi, nous sommes nés tous les deux en Sicile et j'ai eu deux frères nés en France. Un qui s'appelait Marcel et l'autre William. Marcel a été tué pendant les bombardements du 9 novembre 1942 à Saint-Nazaire. Et autrement, je suis rentré au chantier de l'Atlantique en tant qu'apprenti tourneur le 22 septembre 1939. Donc j'ai passé mon CAP et j'ai travaillé jusqu'en 1968 à Saint-Nazaire. Au début, j'ai été comme tourneur. Alors j'étais sur des très grosses machines et pendant 8 ans autrement j'étais comme préparateur en fabrication. De là, on m'a demandé à aller au Havre pour diriger une entreprise de mécanique générale. Donc j'y suis resté pendant 16 ans. Au début j'ai été embauché les deux premières années comme chef d'atelier et après on m'a nommé comme ingénieur.
j'ai fini ma carrière là-bas. Et je suis revenu après ma retraite en 1984 à Saint-Nazaire où j'ai continué. Voilà ma vie. Richard, j'ai 51 ans, je suis originaire du Portugal, j'habite Saint-Nazaire depuis maintenant bientôt 5 ans. Munira Soltani, je suis arrivée les années 76, j'ai suivi mon mari. En fait, des deux, je suis née à Santiago du Chili et j'y ai vécu pendant 20 ans, mais mes parents étaient hollandais tous les deux, donc j'ai les deux nationalités. Moi, je suis venue en France en 1972. J'arrivais à Nantes. J'habitais à Nantes pendant 17 ans. Mes 4 enfants ils sont venus à Nantes. Je suis venue en France parce que mon ex-mari il était déjà ici. Donc, je suis pour vivre ici avec lui. J'ai descendu à Toulouse. Et Toulouse, je suis venue à Nantes. Oui, ma maman était fascinée par la France. Et puis, on avait des disques, par exemple, Mireille Mathieu, Sheila. Et des yeux d'ange, toi tu en as 18, mais tu en fais 19. C'est ça, 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 donne-moi ta main, Elle ramenait, elle venait souvent en Europe, elle ramenait des disques parce qu'elle aimait beaucoup la France. Il y avait déjà une empreinte au niveau de la culture française. Absolument. Elle avait un institut de beauté à Santiago qui s'appelait France. Et donc, le dessin, le logo était une fleur de lys. Donc, tu vois, j'ai toujours entendu parler français chez moi parce que ma mère et sa mère parlaient toujours en français. Mon père, quand il est arrivé, il tenait absolument à parler français. C'était important pour lui et il a suivi des cours du soir. Et papa, il a toujours tenu à parler français et portugais, bien sûr. Il nous imposait le portugais à la maison pour qu'on soit bilingue, sauf quand il y avait des personnes françaises. Ma mère ne travaillait pas, elle travaillait au Portugal. Hein. Ma mère travaillait au Portugal. Arrivée en France, compliquée, hein, sans savoir parler français. Et puis, elle a eu 5 enfants, donc... Elle travaillait un petit peu comme ci, comme ça, mais pas forcément. Et elle était surtout mère au foyer. Elle était surtout maman, en fait. Ouais. Comme j'arrivais en France, moi, je pensais rien du tout. J'étais malheureuse de quitter mes parents et mon pays. Départ. Et j'étais toute seule dans un quartier à Nantes. J'étais toute seule. Il n'y avait aucun étranger dans le boulevard, ni dans le magasin, ni rien du tout. Et j'étais un petit peu triste pendant un moment. Et après, j'ai pris l'habitude. Oui, oui, oui. Facilement, mais je ne savais pas parler le français à ce moment-là, comme j'arrivais. Je m'en vais dans le magasin, je parle comme si tu étais un muet. Je veux. Et petit à petit, ben, j'ai parlé, moi, j'ai pris parler avec la télé. J'ai regardé tout le temps la télé, et c'est comme ça que j'ai pris parler un petit peu le français. Oh, je connais. Je ne connais personne, je peux dire que j'ai resté au moins 4 ans, je ne parlais pas aucun mot en arabe, j'ai côtoyé que des Françaises et des Français, par mon métier où j'habite. J'habitais à La Chênée,
c'était les grandes tours. Il n'y a pas ni boulanger, ni bus, ni rien du tout. Franchement, quand on voit la chaînée maintenant, et 30 ans en arrière, même 40 ans, parce que ça fait 40 ans que je suis là. J'ai lu beaucoup sur la France, je connais l'histoire de la France, mais ça n'a rien à voir avec j'imaginais, ni... De toute façon, je suis tombée dans une petite ville, pourtant Saint-Nazaire n'est pas une petite ville. Mais il y a 40 ans en arrière, malgré qu'il y a les chantiers et tout, je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de magasins, j'étais loin, pourtant la chaînée, quand on voit maintenant avec le transport et tout. Mais avant, il y avait un bus qui venait le matin à 8h et un autre à 4h l'après-midi. Donc, si vous partez pour faire des shopping, comme on dit maintenant, à Saint-Nazaire, il faut partir à 8h et ne pas revenir qu'à 4h de l'après-midi, où il faut avoir une voiture, quoi. 1972 jusqu'à 86, j'étais tout le temps à Nantes. Au 86, qu'on est parti à Tarent-Plage. À Tarent-Plage, ben, j'étais la seule arabe aussi. Changeant de ville parce que mon ex-mari a acheté un commerce à Tarent-Plage. Donc on était obligé de déménager. Voilà, on travaillait. C'était une épicerie avant. Au bout de 6 ans, on a changé, on a tout liquidé, on a fait un salle de jeux snack. Mais à Tarent-Plage, j'étais la seule arabe. Il n'y en avait pas d'autres. Au départ, c'était dur pour les gens de là-bas, mais après, petit à petit, ils sont adaptés parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas de problème avec nous. Donc, tout le monde il était inaccepté à la fin. J'avais 4 enfants comme j'arrivais à Tarent. Le dernier, il avait 6 ans. Mais les grands, ben, il avait 18 ans, 17 ans, 15 ans. Ben, je travaillais en tant que secrétaire à l'exportation d'un grand laboratoire pharmaceutique à Paris. Après, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et mon mari a décidé de prendre un emploi chez Alstom en temps pour l'exportation. Donc, on est parti au Maroc, ensuite Tunisie, Jordanie, la Grèce, etc., en fonction des chantiers. Oui, j'ai beaucoup aimé le Maroc et la Jordanie. C'est des pays où les gens sont accueillants. Et puis, il y a beaucoup de choses à voir et des cultures tout à fait différentes de la mienne. Il est né à Donge, parce que c'est son père qui a construit la raffinerie de Donge. Donc, mon mari, il est né en 36 dans la raffinerie, dans ce qui est maintenant la raffinerie. Et ensuite, quand il a été très malade, il voulait revenir à l'endroit où il est né. Et donc, logiquement, il voulait aller à la Bolle, mais c'était un peu cher. Donc, on s'est dit, Saint-Nazaire nous va très bien. Non, mes enfants sont français, mais ils sont nés en Hollande. J'étais bien intégrée, j'étais bien reçue partout. La preuve, j'ai travaillé tout de suite. Malgré que j'ai travaillé dans une clinique et tout, j'ai touché aux bébés, quoi. Les bébés, c'est très précieux, quoi. Surtout quand une maghrébine qui arrive dans les années 40, dans les années, il y a 40 ans en arrière. Donc les gens, tout de suite, ils m'ont posé cette question-là. C'est vrai, tout au début. Tout le monde me posait la question, est-ce que les femmes te font des réflexions ou ne veulent pas? Au contraire, j'étais tellement souriante et tellement accueillante que... Si tu ne sais pas aimer les gens, tu ne peux pas avoir de solution. Parce que la discrimination, elle n'est pas forcément raciale. Parce que moi, j'en ai subi de la discrimination, pas raciale, mais parce que j'avais des problèmes de santé. Et elle était là, la discrimination des jeunes dans l'école. Ça, je l'ai subi. Parce que je ne faisais pas de sport, je n'avais pas le droit. À partir du moment où on fait de la discrimination sur quel que soit le sujet, c'est parce qu'on n'a peut-être pas assez d'amour à donner. Non, pour moi, sincèrement, je n'ai jamais eu de problème de ça.
J'ai jamais pensé à que je suis loin de ma famille, d'accord, ça me manque. Mais le reste, j'adapte partout où j'y vais. Ah oui, moi, de toute façon, partout où j'y vais, ça marche. Comme j'avais le commerce, tous les jeunes comme Votage, ils m'appellent Tata, hein, ils ne m'appellent pas Madame. Ouais. Je n'ai pas de difficulté pour parler avec les gens. Hein, je ne vais pas la différence, que je suis différent d'eux. On est tous des humains après tout. À mon arrivée en France, j'ai été marquée par l'élégance des gens et par la bienveillance. Ça a changé maintenant, mais en 72-74, les étrangers étaient les bienvenus, même à Paris, et on t'aidait. Par exemple, je me rappelle de ne pas avoir eu assez de monnaie pour payer mon ticket de métro, et c'est un ouvrier français en bleu de travail qui a fini de payer. Et quand je lui ai dit, je n'ai qu'un billet de 10 francs, il m'a dit, mais ce n'est pas la peine, mademoiselle, c'est fait avec bon cœur. Ça, aujourd'hui, je ne pense pas que tu le trouves très souvent, parce que Paris est devenu une mégalopole, mais c'est tellement énorme, il y a tellement d'étrangers que tu ne peux pas venir au secours de tout le monde. Peut-être, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas senti. En tout cas, les premières années, quoi, quand je suis arrivée. Après... Après les années 80, on a commencé, les femmes commençaient à mettre le foulard. Il y avait la guerre de Golfe, il y a beaucoup de choses. Donc c'est là on a commencé à entendre des petites réflexions. Non. Non, parce que je m'adapte très facilement. Je veux dire, en Jordanie, la culture est tout à fait différente de celle du Maroc. Mais je n'ai jamais eu de problème d'adaptation, heureusement pour moi. Mais elle s'est intégrée par rapport aux voisines, etc. Donc elle a appris, elle partageait beaucoup, on avait besoin d'elle, elle était là. Donc elle était toujours prête à rendre service. Donc ce qui fait que l'intégration a été assez facile. À un moment, ils ont été dans une chorale tous les deux aussi. Enfin bon, ils ont fait plein de choses. Ils se sont intégrés assez facilement. Puis je pense que nous étant nés ici, je ne sais pas si on leur a laissé le choix en fait. Je crois qu'en tant qu'enfants, je crois qu'aussi on les faisait bouger aussi, quoi. Si, la seule discrimination, qui est assez marrant, c'était au Chili. Parce qu'on est supposé être hollandais, et les hollandais sont tous blonds, avec les tulipes et puis tout le cliché. Et mes deux sœurs, elles étaient blondes. Et on demandait toujours à ma mère, et qu'est-ce qui lui est arrivé à celle-là? Parce que je suis née désespérément avec des cheveux noirs. Et puis au Chili, on me confondait avec n'importe qui. Alors un jour, j'ai demandé à mon père, mais papa, pourquoi est-ce que je ne suis pas blonde? Alors, il m'a pris dans ses bras, il m'a amené devant un miroir, il m'a dit, regarde-moi, est-ce que je suis blonde? Non. Est-ce que je suis comme ça ou comme ça? Je lui ai dit non. Il me dit, heureusement que tu es là pour me prouver que je suis bien ton père. Alors, moi, j'ai eu l'avantage que je connaissais déjà le français quand je suis arrivée en France. Donc, à part les mots d'argot que je ne connaissais pas, pour le reste, je me débrouillais très bien. Donc, je n'ai pas eu de problème d'intégration du tout. Oui, comme je t'ai dit, j'ai du mal à partir de là jusqu'à Géant parce qu'on m'arrête tout le temps. Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Etc. C'est très sympa. Et après, petit à petit, je me débrouillais. Mais j'ai toujours débrouillé toute seule. On a vécu 33 ans ensemble, mais j'ai toujours débrouillé toute seule. Malheureusement, je ne savais pas lire. J'ai passé mon permis. C'était à maison de quartier. Tu vois, j'ai fréquenté les maisons de quartier déjà à Nantes. À maison de quartier d'Alvalière. Et là, j'ai commencé à prendre mon permis et tout. Et comme il a su, elle m'a dit, qu'est-ce qui t'a donné l'autorisation? Tant que mon ex-mari. Donc c'est dommage, j'ai essayé le permis, j'ai pas rêvé, j'ai essayé faire la couture, le tricot avec la machine. J'ai des photos à la maison d'ailleurs et tout. Et j'ai pas fini aussi. Il y a plein de trucs que je voulais faire, mais j'avais pas le feu vert. Ouais. Feu vert maintenant, mais j'ai 72 ans aussi, c'est pas 20 ans. Hein. Ouais. Maintenant ça m'intéresse pas, Saint-Nazaire il y a transport facile, donc
je me fais accompagner dans le bus et tout, donc c'est pas pareil. Et donc moi, j'ai, franchement, j'ai fréquenté plus, côtoyé plus les jeunes. C'est les années 90 avec les maisons de quartier et tout. Je connais beaucoup de femmes qui ont appris à lire et à écrire là. Et y a, pourquoi ça a permis à ces femmes-là de ça permet de à ces, plus ça permet à ces femmes-là de sortir, d'aller quand ils vont pour la CAF ou la sécurité sociale, elles peuvent se débrouiller, quoi, parler, quoi. Parce que je suis écrivain public le vendredi matin pour aider les gens dans tout ce qui est administratif au sein de la maison de quartier de la Bouletterie. Et puis, du coup, depuis pas tout à fait un an, je suis présidente de la maison de quartier. Voilà. J'essaye de faire ce que je peux. Et puis, de rester positive. Surtout de rester positive. Malgré tout, dans une association, il y a toujours des bas, des hauts, des bas. Il faut trouver des solutions. Je ne baisserai pas les bras, en tout cas. Et je fais les trois maisons de quartier. Bouletterie, Avalix et Carlédé. Je n'ai pas été à Tatéouen. Et je prends le bus à 6h du matin, à Tarenplage, minibus, pour arriver à la gare. Et à la gare, j'échange le bus pour venir à la maison de quartier. Oui, je suis adhérente de à la maison de quartier de la Bouletterie. Toute ma famille y est aussi adhérente. Ma petite fille participe à la comédie musicale. Moi, je donne des cours de français pour des étrangers. S'il y a des gens qui ont des problèmes avec l'administration, ça m'arrive de les accompagner, que ce soit à la CAF, à la sous-préfecture ou à la sécurité sociale pour démêler des papiers. Oh oui, il y en a partout. Je peux vous le certifier, dans tous les pays où j'ai été, il y a des Français. Et beaucoup. On ne peut pas empêcher à des Français d'aller chercher un futur meilleur ailleurs, comme on ne peut pas empêcher les gens qui viennent d'autres pays à venir chercher un avenir meilleur ici. Ben, ils vivent bien. Parce que souvent, les Français qui s'en vont, ils ont des compétences. Donc, ils travaillent et puis ils vivent bien. J'espère qu'on sera toujours unis, que qu'on partage. On avance. Reste pas là. Décolle. Où tu veux te caler, toi? Ben, ça veut dire changer les choses et faire des choses mieux. Ben, j'espère. Ouais. Voilà, Abla l'a dit ce que je pense. J'ai 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Hayat, il a 44. Radouane, il a 42. Il va avoir 43 ans en avril prochain. Saad, il a 39 ans et Hamza, il a 31 ans. Et j'ai 10 petits-enfants. Ben oui. Ouais. Et j'adore mes petits-enfants et mes enfants aussi. يا صوفيا والمهمة وافيا من عبد الثاني